Alors, est-ce que ce sont des pommes d'ici? Oui, des pommes de Paris. D'accord, et vous les faites comment? Enfin, ça marche comment? L'histoire, c'est d'une personne qui a à peu près un hectare de pommes, et pommes de pommier, et puis tous les ans, elle nous fournit des pommes pour le comité des fêtes. D'accord. Là, j'avais 600 kilos de pommes. Ah oui, quand même. 600 kilos de pommes, et là, enfin, c'est pressé. 600 kg de pommes, on a fait 3 pressoirs, on a tiré 3 fois 80 litres. Ah ouais? Ça fait quand même beaucoup, non? Comment? Ça fait beaucoup? Non, on peut extraire encore plus, mais il faudrait forcer le pressoir et on a peur de casser. Ah d'accord. Et si on casse le pressoir, la journée est terminée. Ah bah oui, c'est dommage quand même. Alors on préfère presser moins, dès qu'on l'entend craquer, on arrête. D'accord. Et comment ça marche? Alors, vous pouvez me montrer? Oui, Philippe. On va regarder comment vous faites. Là. Non? Ils ont. Philippe, il fait une démonstration? Oui, juste pour voir comment ça marche. C'est pour BFM 15. D'accord, donc là, ça permet de faire quoi? Ça écrase? Ça fait du jus qui est là, là. Ça fait du jus? Comme on presse. Ah, en bas, là. On récupère le jus. Ah ouais, d'accord. Alors, on va essayer d'avoir le jus. Ah oui, effectivement. Ah, très bien, le jus, effectivement. Alors, le jus, on le met dans le tonneau. Ouais. Et puis après, on le tire. Petit robinet. Petit robinet, là. Ouais. Tiens, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Max 77. Alors, ce marché rural, bah, ça va. Le soleil est revenu. Oui, donc, hein. C'est quelque chose de très intéressant pour tout le monde. C'est formidable, hein. Et je dis pas coule à flot. Oui, c'est ce que je vois. Alors, il est bon miel cette année, sans déconner. Non, mais c'est. Je savais pas qu'il y avait autant de jus de pomme à Varennes. À Varennes, si. Et là, ce sont toutes les pommes de Varennes, là. Oui. Je vais vous le dire, hein, de différents propriétaires, mais toutes les pommes de Varennes. Et ça fait beaucoup de production? Alors là, il faut compter bon, à peu près 2 kilos pour faire un litre de pomme. D'accord. Avec ce pressoir. Et il y a une vente du jus de pomme? Oui, mais ici pomme ou vendu, tout le temps? Là. Qu'aujourd'hui? Ah oui, qu'aujourd'hui. Là, on presse qu'aujourd'hui et puis il n'est vendu qu'aujourd'hui sur le marché rural. Et il n'y a pas une idée après de faire... Non. Après, c'est autre chose, ça sera un commerce. Oui, voilà. Là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, alors. D'accord. Donc, en fait, c'est juste pour le marché. C'est pour le marché rural. D'accord. Très bien. Très bien.